Je suis hyper contente qu'on ait ce triple rendez-vous. Merci d'avoir accepté les filles. On avait refusé et on le fait à contre-cœur. Ouais, tu nous y as forcé, n'oublie pas. C'est vrai, mais c'est parce que je rêve de sortir avec le footballeur Duncan depuis l'année 4e. Et si ses frères sont aussi mignons que lui, vous allez craquer tout de suite, j'en suis certaine. Ses frères? Mais je croyais que tu devais nous présenter ses amis, non? Ses frères sont aussi ses amis, ils ne sortent jamais l'un sans l'autre. C'est une famille unie. Salut Clover! Attrape! Bonjour Duncan. Voici les amis dont je t'avais parlé, Sam et Alex. Alors les filles, ça va? Ouais, ça va, on est au top. Je vous présente mes frères, Drew et Marcus. Alors, t'as envie de venir voir un film sur le foot avec moi, Alex? J'étais assez tentée, mais maintenant c'est un médecin que je veux voir. Super drôle, t'es marrante. Je te signale que c'était pas une plaisanterie. Marcus, comment se fait-il que je t'ai jamais vu au lycée? Bah, c'est parce que je suis toujours au collège, j'ai pas encore le niveau pour le lycée. Dépêchez-vous, vous aurez tout le temps de faire connaissance, on va rater le début de ce fabuleux film. Sauvés par le gong, on vous rejoint dans la salle. Elles ont dû oublier quelque chose, c'était en l'air les filles. Bonsoir les filles. Quoi de neuf, Thierry? Une effraction au Bureau international d'information. On sera sur place dans 10 minutes. Faites vite, peut-être que la sécurité de la nation est menacée. Étages, on trouvera jamais le malfaiteur. D'après le système de surveillance, l'effraction a eu lieu au 89e étage. Bonne nouvelle, en se dépêchant, on peut capturer le coupable et revenir au cinéma avant le début du film. Oh non, pas question d'utiliser l'ascenseur, le cambrioleur nous entendra monter. Oui, Alex a raison, il faut emprunter les escaliers. Ah, j'espérais ne louper que le générique, mais on arrivera peut-être pour la prochaine séance. La prochaine fois qu'on grimpe dans un gratte-ciel, faites-moi penser à mettre d'autres chaussures. On n'est pas les seuls à avoir trouvé l'ascension un peu raide, apparemment. Mis à part un bon mal de tête, il devrait se réveiller en pleine forme. Oh, super. Bon, maintenant, trouvons vite le malfaiteur. Je veux pas louper le cinéma. Ah, réfléchissez à 2 fois avant de faire un vœu. On va l'attraper. Allez, venez. En voilà des manières. Le voilà l'imbécile qui a osé gâcher ma soirée. Et il fut avec une espèce de tube à microfilm, ce voyou. Eh ben, il plaisante pas, ce garçon. Où est-ce qu'il est passé? Comment avez-vous pu le laisser filer? Oh, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Il va bien être obligé d'en descendre. Essayons de lui couper la route. On le tient à l'attaque. Il s'est envolé ou quoi? C'est impossible qu'il ait disparu. Et il n'a pas pu disparaître. Il a trouvé une issue, Alex. Il nous a piégés comme des rats dans cet ascenseur. Bon voyage, accrochez-vous, jeune fille. Je vais faire une crise de claustrophobie, Sam. Dis-toi que t'es dans une cabine d'essayage et ça passera. Si on en croit l'indicateur électronique, on est au 75e étage. Bah, pas pour longtemps. Monte sur mes épaules, Alex, et essaie d'ouvrir la trappe. Elle doit être verrouillée, rien à faire, j'y arrive pas. Fantastique, non seulement le Whoop m'a complètement gâché la soirée, mais il sera responsable de ma perte. Mais non, ne dramatise pas la situation, on va s'en sortir. Avant ou après le manque d'oxygène? Si au moins on pouvait contacter rapporter Jerry. Peut-être que le Whoop viendrait nous sortir de là en douceur. T'as dit en douceur? Je me souviens pas que le Whoop ait jamais fait preuve de délicatesse. Oui, je reconnais que... Il nous Whoop toujours par surprise. J'ai horreur d'être secoué comme ça. Chute. Alors en ce qui me concerne, les filles, je préfère gérer seule cette histoire d'ascenseur. Oh, je dois bien avoir un petit gadget qui traîne là-dedans. Un truc du genre chewing-gum explosif, rouge à lèvres laser ou encore courbe-cils catapulte. Pour te rafraîchir la mémoire, Sam, je te rappelle que ça n'a pas toujours été un succès avec les gadgets. Oh, pourquoi repenser aux petites bavures? Faites belle, Alex. Oh, ça va, hein. Quand j'y repense, ça me rend malade. D'accord, mais reconnais que les gadgets nous ont plus d'une fois sauvé la vie. Moi, je vois qu'une chose, sans le Whoop, on serait en ce moment même dans une salle de cinéma près de 3 footballeurs hyper craquants. Ouais, peut-être, mais avoue que le Whoop t'a donné l'opportunité de rencontrer une foule de garçons super mignons. Bon, à tout à l'heure. Waouh! Pardon, excusez-moi. Celui-là, c'était le plus craquant. Oh, quand j'y repense. C'est pas ma faute si je suis irrésistible. En fait, tu devrais remercier le Whoop. C'est vrai que j'ai fait pas mal de conquêtes. Oui, et n'oublie pas qu'on a visité plein d'endroits magnifiques. Partir en mission, c'est presque partir en vacances. En tant qu'espionne. Évite les mouvements trop brusques ou bien l'ascenseur risque de dégringoler. Pour être franc, je trouve qu'une telle chute est un cauchemar encore pire que lorsqu'Alex conduit. Je m'en suis bien sortie là. Oui, ça rattrape certaines fois où... On l'a échappé belle cette fois-là. Non, c'est pas pire, j'exagère. Oh, c'est pas juste ce que tu dis. J'ai conduit ma voiture pendant toute une semaine sans égratigner la carrosserie. Je progresse. Bravo, ça mérite une récompense, Alex. Ouais, je me suis offert ça. Oh. Écoute, notre seule chance de sortir de là, c'est l'intelligence de Sam. Elle est si brillante. Oh, bah, je t'en prie, je ne le suis pas à ce point-là. Arrête, ce sont toujours tes ressources mentales exceptionnelles qui nous tirent d'affaire. Non, Clover, c'est peut-être un piège. C'est une bombe! Rectification, une bombe thermosensible. On peut la désactiver. Vite, utilisez vos ceintures à filin d'acier. Activez-les et faites comme moi. 1, 2, 3. Levez la chaîne pour qu'elle la brise. Sautez pour éviter le retour du balancier. Toujours la solution. Ça nous aide un peu à supporter tes airs supérieurs, ça compense. Venant de Clover, cette remarque est forcément un beau compliment, Sam. La raréfaction de l'oxygène commence à endommager son cerveau. Je pourrais peut-être essayer de bricoler les circuits électroniques du tableau de commande. Ouais, vas-y, Sam. un court-circuit. Apparemment, cette fois, on est tombé sur un adversaire impossible à battre. Quoi, tu plaisantes? On a soumis plus coriace et plus dangereux que ce stupide ascenseur. Oh. On a connu plus redoutable, hein. Éliminez ces petites tailles. Oui, on en a affronté des brutes déterminées. Là, elles m'ont fait froid dans le dos. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le combat dans le corps de Jerry. Plus jamais ça. On peut changer de sujet, s'il vous plaît. Pourquoi on est devenus des espionnes, déjà? Ne revenons pas là-dessus. Quel malade, celui-là! On en est venu à bout! Ah, on en a pris des risques! C'est fini! Celui-là, c'était peut-être le plus cinglé de tous! Quoique... Attrapez-les! Pas mal non plus. Celui de l'ascenseur n'a pas l'air cinglé en tout cas. Si tu essaies de nous remonter le moral, tu t'y prends mal, ma pauvre Alex. Me rappeler toutes ces missions hyper difficiles qu'on a remplies, me fait réaliser que je déteste le Whoop et que ça m'a gâché la vie de faire de l'espionnage. En fait, je crois que je partage ton avis. On a fait que prendre des risques et... Ah non, le pire me semble à venir. L'ascenseur prend feu. Alex, pourquoi tu fais ça? Arrête. S'aplatir comme des crabes. Alors on se dit tout de suite au revoir. J'ai apprécié notre collaboration. Vous allez beaucoup me manquer, les filles. J'ai parfois été désagréable et je le regrette. Vous êtes mes meilleurs amis. J'ai eu de la chance de vous connaître. C'était pas si terrible. C'est vrai, je m'attendais à une douleur atroce. C'est parce que l'ascenseur ne s'est pas écrasé. On est en vie. Ouais. Bonsoir les filles. Jerry! Merci Jerry, vous nous avez sauvé la vie. Ah, merci. En fait, je n'y suis pour rien. Remerciez plutôt notre nouveau gadget, magie ou mousse anti-choc de gonflage instantané. Vous savez quoi, les filles? Bien qu'on se soit beaucoup plainte du Whoop, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans notre métier d'espionne. C'est quoi? Jerry! Oui, nous aussi! Merci. Qu'attendez-vous pour courir rejoindre vos petits amis? Vous êtes libres. Mais le malfaiteur court toujours. Ah, nous l'avons capturé près d'ici et nous l'avons désarmé. Mini canon à fusion moléculaire. Avec ses semelles avant à tous, il pouvait pas courir bien vite. Génial! Allons-y vite! Mon Duncan doit m'attendre avec impatience. Oh, pas de chance, je crois que la séance vient de se terminer. On arrive trop tard. C'était super. Oh non, les voilà! Vite, il faut que je trouve une bonne excuse. Oh, Duncan, c'est incroyable! totalement d'accord. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Je parie que ça va devenir un film culte. Il y a vraiment plein d'émotions et beaucoup de bonheur, et de tristesse. Et des fractures. Et des coups de talon dans l'estomac. On se fait une petite pizza? Bonne idée, ça m'a ouvert l'appétit. Ah, c'est génial! Ils n'ont même pas remarqué notre absence. Ah, d'accord, c'est cool, merci! Duncan n'a même pas remarqué mon absence. C'est fini, terminé, je le plaque! Oh! Alors on n'est plus obligé de rester avec eux? Non, on est libre. Tu veux voir un bon film? Oh, moi, tant qu'on n'a pas à monter dans un ascenseur, tout me fait plaisir. Eh ben, attendez-moi! Semaine pour trouver l'amour de notre vie. Fais confiance au destin, tu verras qu'on aura toutes les deux un beau cavalier pour aller danser. Ah, cette fois, j'espère davantage. Cette année, je veux vivre une grande histoire romantique avec des roses, de la poésie. Oui, et puis aussi un petit ours en peluche rose et blanc aux yeux en forme de cœur. Clover a une de ses chances. Ne m'en parle pas, Alex. Elle l'a trouvé, l'amour de sa vie. C'est Chris. Assez! Je laisse tomber les rendez-vous, je tirerai un trait sur les garçons, qu'on ne me parle plus jamais d'amour. Et Chris? Je le quitte, il m'a fait un affront impardonnable. Laisse-moi deviner, hier il a osé ne t'appeler que 8 fois pour te dire qu'il t'aimait au lieu de 10? Pire que ça, pour fêter notre anniversaire des 3 jours, il a pris des billets pour une course de camion, c'est nul. Oh, je suis trop déçue par les garçons, je resterai célibataire, ma décision est inébranlable. Tu vas faire une grève sentimentale? Parfaitement, plus de petits amis. Tu tiendras jusqu'au déjeuner? Clover, t'es énervée, alors tu dramatises. Il y a un tas de garçons super sur la planète. Et ils font partie du lot. Tous nos hommages, charmante demoiselle. D'après mes calculs, c'est le centre commercial de Beverly Hills qui a le taux le plus élevé de prétendants au mètre carré. Laisse tomber les équations, je ne suis pas en quête d'un remplaçant pour Chris. Allons voir quelque chose, le distributeur a le lieu le plus stratégique pour être lu. Où est notre distributeur de cappuccino? Vous aussi, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie. Vous trouverez l'âme sœur grâce à la flèche de Cupidon. Une agence matrimoniale informatique, c'est pas cyber bizarre, ça? Trouver l'amour par ordinateur, tu parles? Oh, j'ai bien envie d'essayer, tu m'accompagnes, Sam? On sait que c'est faux, ces trucs, j'y crois pas une minute. Mais ça peut être amusant. Bon, bah moi je vous attends là, hein, forte et résolue. Je resterai célibataire. Plus de garçons, bon débarras. Bonjour mesdemoiselles, bienvenue à la flèche de Cupidon. Veuillez répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est à l'amour ce que la cerise est au gâteau? Le bisou tendre, l'honnêteté intellectuelle et le courage politique. Salut, moi c'est Stan. Stan? Stan qui a instantanément craqué en te voyant. Je suis en grève. L'amour, c'est le grand bleu. On plonge ensemble dans un océan de douceur. Du calme, je suis en grève. Du calme, je suis en grève. Du calme. Lequel des deux vous attire le plus? Le garçon A ou le garçon B? Le garçon A, le garçon B, sans hésitation. C'est quoi ça? de Cupidon. On m'invite cordialement à rencontrer mon âme sœur. Oh, c'est trop cool. Ce soir au pavillon des sports de Rodeo Drive, il s'appelle... Oh, Chet. Oh, que c'est attendrissant tout ça. Ça vaut une surprise. Cher Sam, cette carte pour te dire que la flèche de Cupidon m'a frappé droit au cœur et c'est avec un immense plaisir que je t'invite au restaurant La Pomme de Terre. Rendez-vous donc ce soir même à 8h, ange de mes rêves. Ah, et en plus, il s'appelle Marco. Je pensais que tu croyais pas aux rencontres par ordinateur. C'est vrai que je doute, mais je ne vois pas de mal à rencontrer Marco. Cours consulter la flèche de Cupidon. L'ordi peut encore te trouver un cavalier pour le bal de la Saint-Valentin. Alex, ça ne m'intéresse plus. Depuis que j'ai décidé de renoncer aux garçons, j'ai plein de temps libre. Hier soir, j'ai pu mettre de l'ordre dans mon placard de sac à main. Tu as un placard rien que pour des sacs à main? Et le temps libre pour tous les ranger par gamme de couleurs. Bonsoir, je m'appelle Chet. Tu es probablement Alex. Ah, comment t'as dit que c'était moi? Oh, je n'en savais rien, mais tu es tellement belle que j'espérais ne pas me tromper. Tiens, c'est pour toi. Je tiens à ce que tu saches qu'il n'est pas dans mes habitudes. Enfin, généralement, je n'accepte jamais de... Ah, je me sens ridicule. Est-ce là le visage de celle qui a lancé un millier de navires et brûlé les tours éternelles d'Ilium? Oh, tu me cites un extrait du docteur Faust? Ma douce Sam, donne-moi l'immortalité d'un coup de pieuvre. Oh, c'est mon plat préféré, les calamars à la crème. Ah oui. Beau garçon, assez! Si tu savais, il m'a dit des choses si romantiques, c'était merveilleux. J'ai tellement hâte de le revoir. Et moi donc... Oh! Hey, regarde où tu vas. Oh, Clover, est-ce que je t'ai déjà parlé de Roy? Il est d'une gentillesse et d'une beauté. Oui, et mon Peter aussi. Vos petits amis, vous les avez trouvés par la flèche de Cupidon? D'Apollon, plutôt. Ils sont si craquants. Vous avez remarqué que la moitié des filles du lycée est sous le charme des types que leur a trouvé l'ordinateur? Oh, je suis désolée, Clover. Pardon, je revivais ce moment magique que j'ai passé avec mon Chet. Moi aussi, je rêvais de mon adorable Marco. Ne me dites pas que vous êtes amoureuse, vous aussi. Pourquoi? Ils vous ont demandé en mariage? Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Marco m'a offert un authentique zirconium monté en solitaire. Et Chet m'a offert ce véritable diamant synthétique. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à toutes les deux? On ne tombe pas amoureuse comme ça dès le premier regard. Tout de suite après le bal, on abandonne nos études. Ah oui, ça nous fera plus de temps à consacrer à l'amour de notre vie. J'hallucine. Je vais devoir aller au bal tout seul. Il n'y en a pas une qui veuille m'accompagner. Mais les garçons les plus mignons se retrouvent seuls. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire. J'appelle Jerry. Clover, je ne vois pas où est le problème. Les satellites de surveillance du Whoop n'ont révélé aucune trace de substance hypnotique dans la zone de Los Angeles. Pourtant, c'est pas normal du tout ce qui se passe ici. Vu que le phénomène ne touche que votre lycée, je vous conseille vivement de prendre un petit ami vous aussi. Ah non, pas question, hein, je fais grève. Puisque Jerry refuse de m'aider, je vais me débrouiller toute seule. Commençons par le début. L'équipement, sortons nos vieux gadgets, lentilles de contact bleu marine à rayon M, barrette d'écoute ultra sensible double banane et chewing-gum autocollant de pistache. Ce tourbillon elliptique de pigments me rappelle la couleur de tes yeux qui est plus qu'envoûtante. Oh Marco, tu es d'une intelligence fascinante. Je me demande ce qui est le plus écœurant, leur verbiage amoureux ou le goût de mon chewing-gum. Je dois m'arracher à toi. Oh, ce moment, c'est trop cool. Alors, au bal de la Saint-Valentin, Marco, oh, cette séparation me cause une douleur exquise. Voilà que mon chewing-gum piste cet autre garçon. J'arrive pas à le croire. Cet hypocrite trompe Sam avec Alex. Il faut que je file mon trésor. J'ai promis à ma petite sœur de l'entraîner avant la sélection pour l'épreuve de nage synchronisée. C'est tout à fait naturel. On se voit demain au bal de la Saint-Valentin. Oh là 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 là. Il a un de ses toupets, celui-là. Ce faucheton est en train de mener en bateau toutes les filles du lycée. Oh, Luigi, ce massage de la voûte plantaire est divin, c'est le paradis. Non, ce qui est paradisiaque, c'est le son de ta voix, mon petit tiramisu. Quel charmeur! Quel baratineur! Mon Dieu, mon amour, je t'ai apporté un modeste cadeau. Permets-moi de te l'offrir en gage de mon affection. Il te plaît, j'espère. Ah, j'aime assez la couleur rouge, ça ira. Glitter et Snitch. Ce dragueur de pacotille ose se moquer de Sam et d'Alex. Il va avoir une surprise, lui aussi. Alors c'est là qu'il achète sa verroterie. Allons rendre visite à son fournisseur. Oh! Vendredi soir, bal de la Saint-Valentin. Bonjour. Bienvenue chez Glitter et Snitch, je suis Eugène. Que puis-je faire pour vous? En fait, je voulais juste regarder vos bijoux. J'adore les accessoires de luxe. Vous avez des diamants de toute beauté. Mais que vois-je dans ce sac? Quelqu'un l'a probablement oublié ici. Vous allez au lycée de Beverly Hills? Non, pas du tout. Je fréquente l'Institut des jeunes talents. Oh. Eugène! Oui, maman? As-tu vendu quelque chose à cette fille? Pas encore, non. Achetez un bijou ou alors c'est la porte. Je sors... Tu veux bien de moi comme cavalier? Je peux passer te prendre à 8 heures? Tu veux m'épouser? Laissez-moi, du vent. Bon, ça devient du délire. Faut absolument que j'arrête cette machine avant que... Bande de brutes! Mais vous allez me laisser chercher mes copines, oui? Marco va adorer ça. Le rose est la couleur préférée de Chet. Je voudrais qu'on ait une petite discussion. Pas maintenant, Clover. On doit se préparer pour le bal. Marco aime les chignons. Moi, il faut que je me fasse les ongles. Chet a une préférence très marquée pour le vernis couleur écume de mer. Mais vous êtes devenus des zombies! Réveillez-vous, il y a quelque chose de suspect derrière vos petits amis si parfaits! Tu es seulement jalouse, Clover. Toi aussi, tu aurais pu connaître le bonheur, mais tu as gâché tes chances en te mettant en grève. Tu pourrais être avec un garçon merveilleux. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est qui... Allez, viens, Alex, ne faisons pas attendre Marco et Chet. Eugène, toutes ces filles t'ont déclaré leur amour. Moi, ce sera la guerre. On veut des cavalières! On veut des cavalières! On veut des cavalières! On veut des cavalières! Je trouve bizarre que Marco soit aussi en retard. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Chet aussi est en retard et c'est pas son style. Elles attendent toutes leur prince charmant et c'est moi et moi seul. Tu apprécies le spectacle? Aurait-il obligeance de me dire à quoi tu joues, Eugène? C'est très simple, je savoure ma revanche. L'année dernière, l'amour de ma vie m'a brisé le cœur en me laissant tomber le jour de la Saint-Valentin. Tu es du genre rancunier. Alors, au moyen de ce gadget et de bons articles consacrés aux femmes et l'amour, je me suis transformé et je suis devenu leur homme idéal à toutes. Elles sont tombées follement amoureuses de moi et ce soir, je vais me venger en les laissant tomber pour le bal de la Saint-Valentin. Ça ne va pas se passer comme ça. Si tu n'avais pas boudé mon ordinateur, je serais le garçon de tes rêves. Mais à présent, j'incarne ton pire cauchemar. Attention! C'est terminé, mon Peter chéri ne viendra pas. Roy non plus, je suis trop triste. Peut-être que vos petits amis n'ont pas de parole, mais moi je suis sûre que mon Luigi se fait attendre pour mieux se faire désirer. C'est bizarre cette coïncidence. Pourquoi tous nos petits amis sont-ils en retard? Tu ne peux pas me résister. Toutes les filles succombent à mon charme. Je te transforme en sushi. Jeune fille, permettez-moi de vous présenter Marco. Et Chet. Et Luigi. Et Peter. Et Roy. Et Wally. Et Jason. Dont la véritable identité est... Eugène Sneed. Quand je pense que je me suis donné la peine de discuter peinture, poésie et philosophie avec un simulateur d'intelligence. Moi j'ai fait du trampoline avec un imposteur. Et moi j'ai autorisé un tricheur à me masser la voûte plantaire. Confisquons-lui ses cartes de crédit. Non, j'ai une meilleure idée. Quoi? Vous allez me jeter en prison, c'est ça votre meilleure idée? C'est pire encore. Toute seule au bal de la Saint-Valentin. C'est surtout stupide vu que les garçons n'attendent que vous. Un peu triste, non, cette fête? Si on allait mettre de l'ambiance, vous êtes d'accord, les filles? On est vraiment désolé, Clover. On n'aurait jamais dû faire passer un garçon avant notre amitié. Dis, tu nous pardonnes? Oui, bien sûr que je vous pardonne. Croyez-moi, je sais ce que c'est que de perdre la tête pour un garçon. J'ai fait mes preuves. Hé, Clover, qu'est-ce que tu fais? Grande nouvelle, j'ai enfin découvert ma vocation. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'on m'appelle autrement que la fabuleuse Clover, marieuse professionnelle. J'ai plus de psychologie qu'un ordinateur. Qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ça? Une minute, j'aperçois un client. On peut en déduire que la grève sentimentale est terminée.